Churu. Cool. Ah là 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 là, il va vraiment me manquer ce bled là. Enfin, Bora tout entier quoi. C'était vraiment cool ces petites vacances ici. Les enfants ils ont tellement kiffé que hier ils étaient en train de nous dire « Mais moi je veux retourner là-bas » Comme je les comprends. Peut-être on va revenir un jour. En tout cas, moi j'espère fort. Mais sinon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de faire des vidéos presque tous les jours. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que j'ai envie de laisser à mes enfants. Je fais ça parce que je suis malade et que je ne suis pas sûr de rester longtemps sur terre avec eux, tu vois. Donc en gros, dans mes vidéos, je vlog nos journées pour leur laisser un souvenir de nos journées de quand ils étaient petits. Mais aussi et surtout, je leur donne des conseils. Mes enfants, ils regardent les vidéos ces derniers temps, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre tout ce que je dis dans chacune de mes vidéos. Mais je sais qu'il y a toi, toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout ce que je dis. Et pour éviter que tu aies Haumani, je te donne à toi aussi l'occasion de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, va dans les commentaires, pose-moi ta question et moi j'y réponds dans les prochaines vidéos. Ok? Soon after. C'est l'heure pour nous de rentrer. On range tout et après, ciao, bye bye. Comme ça dans les îles. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était pire à Rutu. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça ici à Waini. Il fait vraiment frais. T'as pris mes séphores le rond, tu dis n'importe quoi. Là en ce moment, c'est juste des brises, hein. Mais c'est des brises bien fraîches. Et tu vois, dans ces conditions-là, ouais, tu meurs dans la tête là, il fait bien, bien, bien la fête. Ça y est, il est 15h, j'ai rien fait de la journée. Quoique là, si. Parti rendre visite à un bon copain à moi, récupérer quelques affaires, ok. Ensuite, j'ai fait dodo et là, je viens de me réveiller. Oh, pour le moment, j'ai juste un peu moins mal. Hein. Mais dès que j'aurai plus mal, je crois que je vais essayer d'aller marcher un peu dans le quartier. Enfin, j'espère que je vais y arriver. Ceux qui regardent les vidéos fight, est-ce que vous reconnaissez le spot? Et pour les plus perspicaces, est-ce que vous avez vu le truc qui cloche dans ce parc-là? Aïta, après un petit tamas, petite balade dans le cartel, histoire de digérer un peu le poisson cru. Okay. Fait du bien de revenir dans les îles. La dernière fois que je suis venu à Waini, j'étais un gosse. Mais les souvenirs, ça commence à revenir petit à petit. Je commence à me rappeler de la plupart des bêtises qu'on faisait ici, nous, mes cousins. Enfin, qu'on faisait, qu'on voyait. On pouvait pas faire les bêtises, sinon on va te parler à nous. Ah. Je sais pas, les autres, ils avaient moins peur que nous. Ça, c'est la vérité. Mais ça fait vraiment du bien de revenir dans les îles. Eh bien, faut pas, hein, ça roule des sponsors. Avion, ou sinon, je sais pas moi, APT Express, ou je sais pas, VRA, sponsoriser notre famille, quoi. Ça revient souvent dans les îles balades. Mais j'avoue, le mieux pour nous, c'est vraiment le bateau, hein. Parce que je suis sûr que si on était venu sans voiture, aïe, 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 t'y a pas eu money. Ça voyait si on a le sponsor, genre Europe Karma, ou bien Avis Pacifique, quoi. T'as pas ou non, après on va voir. Y'a un héros de rêve, les gars. Et t'es harré. Sinon, pour ceux qui n'avaient pas remarqué qu'est-ce qui cloche dans ce parc-là, hein, ben, regardez pas vous-même. Hein. Ça fait un long parcours de là-bas jusque là-bas. NIO, il fait des travaux.
On reprend là pour Kalini là-bas. C'est pas pour faire le BTP ici, mais bon. C'est bizarre quoi. Ils sont partis chez Moromo. Qui ça? Maman. Ah, c'est petit manger crêpe. Ouais, parce que pour ceux qui se demandent où sont nos gosses, ils sont partis avec nos parents. Ils sont partis chez le copain que moi je suis parti tout à l'heure. Sauf que eux, ils sont partis pour manger crêpe. Non, petit, hein? Ces parents-là, ces enfants-là surtout. Après, c'est pas grave. Hein. C'est pas comme si nous on mangeait pas de crêpe dans notre vie. Ce préofeira là, c'est pas rare de voir des trucs comme ça à Wahine, les gars. Il suffit simplement de regarder les vidéos à voisins de ce TikTok. Allez, viens, on va manger. Hey, pois chou. Dialogue. Plein de trucs comme ça, les gars. Wahine Massa. Noupé, on est venu faire semblant de faire du sport. Et là-bas, ils sont pas venus pour Aurevare. Aïe, au ménage, ils crèvent mon bras sportif. Three hours later. Fini le pourrir. Hein? Maintenant, je pense qu'on va répondre à la question. Parce que ça commence à devenir vraiment long, cette vidéo. Ces temps-ci, méchant gag chez nos amis les Kanaki. Et Younes, il veut savoir si un gag dans le jeu, ça pourrait se produire ici. Nous sommes en octobre 1987. Après 4 semaines de grève pour des revendications professionnelles, les dockers du port montent un barrage sur le pont de Motulta, paralysant ainsi l'économie de l'île, déjà très dépendante des importations. Ils se heurtent aux forces de l'ordre, allant même jusqu'à l'affrontement général. Ce 23 octobre, nuit d'émeute à Papeete avec incendie et pillage. 3 escadrons de gendarmes mobiles sont appelés en renfort. L'état d'urgence est déclaré et le couvre-feu est instauré. Cette situation dure une semaine avant le retour au calme. 8 ans plus tard, le 6 septembre 1995, au nom d'une bombe qu'il ne veut plus, le peuple polynésien se rebelle. Des manifestants démolissent l'aéroport de F'a'a d'abord, nouvelles émeutes, des voitures brûlées, des grenades lacrymogènes lancées et des gendarmes mobiles dépassés. Dans la nuit, les flammes assiègent la capitale. Les magasins sont caillassés avant d'être pillés. Quelques jours plus tard, plusieurs émeutiers sont arrêtés et condamnés à des peines de prison ferme. Parmi eux, des politiques et des syndicalistes. Nouvelle scène de désolation désormais inscrite dans les annales. Les portes de la troisième institution du pays sont défoncées ce 8 mars 2018. Ils affrontent les policiers de la sécurité publique et les agents de l'Assemblée. Pour certains, ce courage est soutenu par l'alcool. Pour d'autres, l'expression d'une solidarité aux plus exaspérés. Un barrage de policiers anti-émeutes se dresse entre les élus et les manifestants. Ces derniers restent plus de 2 heures dans les tribunes des spectateurs, haranguant tour à tour les représentants et le gouvernement abasourdi. Au lendemain de ce triste épisode, le calme est de retour. La grève générale est levée après que le gouvernement a décidé de suspendre l'examen du texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée au titre de la paix sociale. Déjà là, t'as une partie de la réponse. Et aussi, elle veut savoir ce sera quoi ma réaction et de quel côté je me mettrai. Comme tu l'as vu dans la vidéo, Younes, des gags dans le genre, ça s'est déjà produit ici à Tahiti. Les gens avant-ras sont allés jusqu'à brûler la ville et l'aéroport. Après, de ce que les gens de Nouvelle-Calédonie me racontent, enfin la famille qui vit là-bas, je pense que c'est un peu plus hot ça qui est là-bas. Hein. Maintenant, ça c'était dans le passé. Est-ce que ce genre de gag pourrait arriver là dans un futur très proche? Je ne pense pas. Enfin, c'est mon avis. Hein. Peut-être j'ai une mauvaise lecture de ce qui se passe en ce moment sur mon pays. Mais pour moi, je pense pas qu'on ira jusque là. Il y en a encore beaucoup ici qui sont conscients des bienfaits que ça nous a apporté d'avoir la France avec nous. Mais maman, c'est pas parce qu'on est conscient de ça qu'on oublie le fait que la France, ils ont beaucoup essayé aussi de nous la mettre à l'envers. Hein. Après, comme j'ai appris d'un bon copain à moi en France, c'est la politique. Ça fout la merde. Enfin bref, s'il y avait un gag dans le genre ici à Tahiti, enfin en Polynésie, ma réaction, ce sera, il faut que je protège ma famille. Parce que ce genre de conneries là, comme en Nouvelle-Calédonie, oh là 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 là, moi j'ai pas envie que ça touche ma famille.
Tu sais, quand j'ai entendu des témoignages à la radio, ou je sais pas moi, pendant qu'ils étaient en train de faire le truc sur Facebook, là, le live sur Facebook, tu entendais des coups de feu tirés. Aïe, 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 aïe. Moi, le premier truc que je dirais, je pense que ce sera ma première réaction et la seule que j'aurai, il faut protéger sa famille. Donc, on va s'éloigner le plus possible de ces conneries. De quel côté je me mettrai dans cette guerre-là, on va dire? Simple, gars. J'aime bien rester neutre dans tous les combats. Je suis comme ça parce que souvent dans ce genre de combat, je suis d'accord avec une partie de ce que Miaï dit et une partie de ce que Truki dit. Je suis comme ça aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens que je connais, que j'aime surtout, des gens de la même famille, genre des frères et sœurs. À cause de la politique et de ces conneries, on va dire, ils se sont complètement déchirés, tu vois. Pour moi, c'est très très important la famille et quand quelque chose en arrive à déchirer la famille, pour moi, c'est pas bon. Et donc, je m'immisce pas trop dans ces choses-là, tu vois. Voilà un peu moi ce que j'en pense de tout ça. Voilà comment moi je réagirai et voilà comment moi je me placerai par rapport à tout ça. Eh bien les enfants, par rapport à la réponse à la question, le conseil à papa, ce serait vraiment que vous essayiez de rester le plus neutre possible quand il y a ce genre de combat. Vous avez le droit d'avoir un avis politique, papa va toujours respecter ça. Mais je veux que vous restiez neutre pour éviter que notre famille va finir par se déchirer à cause de la divergence politique. Donc les enfants, s'il vous plaît, essayez de rester le plus neutre possible. Ou bien sinon, si vous y arrivez, ne pas faire en sorte que votre avis politique prenne le dessus sur l'amour que vous avez pour votre famille. Pour moi, et c'est pour ça que c'est le conseil d'aujourd'hui, rester neutre, c'est la meilleure manière de rester cool avec sa famille. Surtout dans la politique. Ok les enfants? C'est tout ce que papa voulait vous dire aujourd'hui les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana bisous.